Bonjour. Le Césaire, lors de sa dernière séance plénière, a voté quatre contributions qui sont en amont de l'élaboration par le Conseil régional de ses politiques publiques régionales. La contribution en amont permet à la société civile organisée d'émettre ses réflexions et ses propositions aux élus de la région. Le fait d'être en amont est une évolution récente qui renforce la démocratie régionale. En cela, elle mérite d'être particulièrement soulignée. Cette évolution, on la voit d'ailleurs dans d'autres régions de France avec d'autres Césaires. Mais pas de contresens. Cette démarche ne signifie pas une co-construction. Dans cette démarche, chacun reste à sa place. L'institution Césaire, représentative des corps intermédiaires, élabore ses réflexions, élabore ses propositions, et ensuite le Conseil régional, dans ses prérogatives, tranche et décide de sa politique publique régionale. Il n'y a pas de confusion dans le rôle des uns par rapport aux autres. Le moment venu, comme la loi l'exige, le Césaire émettra un avis sur la politique régionale qui sera présentée par le Conseil régional avant le passage devant l'Assemblée des élus. Concertation en amont, avis du Césaire en aval de la présentation des projets par le Conseil régional. Cette nouvelle démarche est significative d'une relation différente entre le Conseil régional et le Césaire. Elle témoigne d'une évolution de la démocratie régionale qui va dans le sens de l'intérêt des Ligériens. À bientôt autour des travaux du Césaire.